كل الله أكل يا مصطفى ألا ملك الهجار في البيت الشكور أي اسم المجلد الحسيبك الزهب يعني ذلك جزل الإسلام الجديد كل لي أنت يا إمام أنت الحليفة الجديدة الكل يريد أن يعزب إلا هني الاتجا في ألا عيش من المجيد للمؤمنين هو النبي الموعود يعد إلا فلسطين وعدا للأمة لك عنا كيف نعيدهم بما يؤمنون بي المجد للمهدي تنبعت في إمامك بعلم فعاء في زل الأمة فلسطين تطوير مدينة مسجد رسول الله عادل السيد المسيح لها حكاية أكثر من مملكة الأعزب مجيز المهدي وعد المهدي لله كان وعي الإمام بهجاعة الإمام بالمهدي يضعف إلا زعد دعاء الله المعود في الدولة الرسول الأيمة والبحرين الإنترنت هو عملة الناس التي تنبى بها الله شاء الله كتاب بتيح لي رحمة الزهبية لمهدي فكات. أزأنا روح الحلفة فاتكل الله علي مع الحلفه الحجة الفدية لديها الكلمة المزاع الزهبي هوي هوات في البيت المرجعي الجديد أوعد أن أقدم لكم النسيحة بشان الحجر الأبيض سيكون احتفاك الجوز الأبيض من الْعُمَاتِ هو الإعجارات التي سَتُعِدْ الحلفة في أحد المهدي قد حلت كان يسوع المسيح الهمني ألا أن يحد أوعيته نسيع الرحمة يسمى الحجاع بالإمام المهدي فلسفة الله تنبأ الله برأعد ممتحان بلين الله كدية تعزيل توعة ظهور الحكمة التعمية للفكرة الجديدة الموعودة لعقل الله إن توعة الأمم للمحفرات عن شمس في الأحلو للأحيل الكرى العلم إحجاع شمس العرب بلد المسير أقطع من كساس أجاء السفن في العلم وحد المهدي لله أحكى وعي الإمام إمنه بوحد الله تعالى للرسول الهدي بعد النبي المهدي على الأيمات والشهادة الانترنت هو عملات الناس التي ينعلنها ألا أن يعاها السمو شاء الله كتب لي أيه من ذهب رحمني الله هز أن روح الحل فتقول الله نسيحة تحكمك يقول الله أبعد عنك لدي الكلمة الجنيب الذهبي من الله يجعل الملابس العارية يريد أن نقدم لكم النسيحة بشان الحجار الأبيدي احتكاف في الجوز الأبيد من العمال غلا غفحل التي ستكبع في المهدي عن تلمس العشيد الحمني الله النحيز وغيته C'est Mustafa. Ne sortez pas d'ici, ne sortez pas d'ici. Évitez de prendre la direction, évitez de prendre la direction. Une religion, voilà, je parle d'une religion. Mais c'est Mehdi C'est la religion Non, vous n'entendez pas, vous n'entendez pas. Je ne veux pas que vous entendiez. Si c'est pour me dire à chaque fois que vous n'êtes pas vrai, voilà, que vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez pas, ben oui, vous ne voulez pas. Vous ne voulez rien. On dirait que vous ne voulez rien. On dirait que c'est trop vous demander de vouloir. C'est pas vrai ce qu'on raconte sur moi. C'est pas vrai ce qu'on raconte sur moi. Mais dis, c'est pas vrai. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je voulais vous dire c'est complètement faux. Maintenant, je vous parle de Satan. Il est l'origine, en fait de cette euh, mise en garde, de cette mise en garde, c'est une origine, c'est l'origine de la mise en garde. En fait, je n'ai pas été avec Satan, euh, je n'ai jamais été avec pour Satan. Voilà, je n'ai jamais été avec lui. La vérité est dite voilà. Vous ne dites pas maintenant le contraire. Vous ne dites pas que je étais avec lui. Ce n'a jamais été le cas. Voilà. Mais jamais, ça n'a jamais été le cas. En fait, ils ont probablement fait des choses, voilà, pour dire, des, pour dire, euh, pour dire de, des, relations qui ont existé, mais je pense pas vraiment que ça soit, euh, ça soit vrai, voilà, je pense pas vraiment que ce soit vrai. Euh, je pense qu'ils ont manipulé tout ça, voilà. Euh, le lavage de cerveau, c'est connu. Je pense qu'ils ont lavé le cerveau tout simplement de certaines personnes. Ils l'ont lavé. Et en fait, comment ils le lavent le cerveau Je vais vous expliquer. C'est comme un agent, vous comprenez, un agent. Vous savez ce que c'est qu'un agent, mais ben en fait c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est là pour ça, pour vous laver le cerveau. Et en fait, une fois qu'il a réussi à vous atteindre, il lave entièrement tout. Il lave entièrement tout. Ça peut être ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous disiez. Il lave tout. Et comment je sais ça, en fait, comment je sais ça, comment font ces gens Parce qu'en fait c'était déjà connu avant. Et par l'expérience, tout simplement, d'avoir été confronté à ces gens, mais sans en fait euh, qu'ils m'aient lavé le cerveau, par exemple. Bah ben voilà, parce que mon cerveau fonctionne, hein, mon cerveau fonctionne, et je le donne pas, je ne dis pas comment il fonctionne. Et je te dis, c'est pas ton problème, hein. le médic, c'est pas ton problème. ça existe hein, depuis longtemps, tu le sais. En fait, peut-être c'est tout nouveau, et ça, ça serait bien que tu saches que c'est peut-être tout nouveau. Mais vas-y, qu'est-ce que vous faites Vous n'entendez rien, vous ne savez rien de ça, voilà. Vous pensez que c'est déjà là ou que c'est encore autre chose, voilà. Bon. Euh, si vous pensez que c'est moi, vous avez gagné. Vous avez tout gagné entièrement. Mais qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire Maintenant, je ne vous lave pas le cerveau, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Bah, faites des choses, tiens, faites des choses. Faites des choses pour qu'on dise après que vous avez fait. <laughs> Faites des choses pour qu'on dise que vous avez fait. Faites des choses pour qu'on dise que vous l'avez fait. Ben oui, le bien guidé, ben oui. Même si vous n'atteignez pas tout, vous dites que vous le faites, par exemple, voilà. Même si vous n'êtes pas partout, vous dites que vous y êtes, ben voilà. Et en fait, qui est partout, tu comprends, et fait tout Qui est à chaque fois le bien guidé partout, tu comprends Tu crois qu'il y a quelque chose, tout simplement, peut-être, qui peut permettre de. De connaître tout, peut-être c'est possible. Peut-être qu'il permet d'arriver à tout, c'est possible. Mais alors, prends le chemin, tu vois, prends le chemin. Tu penses au départ que c'est une simple affaire, ou tu penses que c'est une simple cause. Mais en fait, euh, c'est bien guidé, hein, c'est bien guidé. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours euh, en avance qu'il qu qu faut être, voilà. Euh, la question de la foi, c'est en fait à chaque fois savoir comment tu te tu te tu te mets en condition tu te mets en condition et après en fait comment tu reçois et aussi tu es reçu voilà puis aussi comment tu te fais comment tu te fais comment tu fais après voilà les deux sens c'est important plus tu montes montadar ça veut dire ce qui monte c'est en fait le montant c'est le grand montant, c'est tout ce qui est le plus grand montant, ce qui fait le plus monter, c'est ça mon c'est pas autre chose. C'est ce qui fait monter le plus, c'est ce qui fait monter le plus haut. Mais en fait, tu sais qu'il y en a aussi qui veulent monter le plus haut et on les empêche de monter, tu le sais. On les empêche de monter. Et en fait, tu sais pourquoi on les empêche de monter, hein. Tu sais, voilà. Parce que c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Euh. Ce qu'ils nous font, c'est pas évident, voilà. Il y a des gens, ce qu'ils nous font, c'est pas évident. Parfois, ils te le disent pas, mais ils t'empêchent de monter parce qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui leur dit de ne pas laisser monter. <laughs> Et pourquoi cette personne le dit pareillement Parce qu'elle a aussi quelqu'un qui ne veut pas qu'elle monte, tu comprends Donc tu déduis en fait qu'il faut connaître quelque chose. Il faut connaître Montadar, par exemple rapport la forêt. Il faut connaître Montador pour savoir en fait comment monter parce que tu ne vas pas demander à chaque fois aux gens de monter. Et en fait, le problème que tu leur demandes de monter et en fait, l'autre problème que tu peux avoir, qu'ils ne veulent pas monter, qu'ils refusent de monter, qu'ils veulent rester au même point. Et bien, en fait, ne reste pas avec eux si tu dois monter parce qu'en fait, tu vas juste rester avec eux et tu ne vas pas monter. Mais ben voilà. Mais qu'est-ce que veut dire monter? Au final, monter sur l'esprit, t'as compris? Monter même sur la religion, ben voilà. Monter même sur les, les royaumes, monter sur les royaumes. Et comment ça, monter sur les royaumes? Monter sur des royaumes. Voilà, c'est un grand pied de nez. Là, je vous ai foutu un grand pied de nez. Comme un, comme un coup de pied au cul pour que vous vous décolliez des vœux sièges. Que vous décolliez de vos sièges un coup de pied dans le cul, ben oui, un coup de pied dans le cul. <laughs> mais je ne suis pas contre vous, c'est pour que vous montiez. <laughs> mais attends, je vous maltraite pas. Bon, je vous ai rien dit, hein. vous oubliez ce que je vous ai dit, <laughs> mais je me connais pas. <laughs> c'est bon, je suis monté le temps que vous ne connaissiez pas. J'étais déjà en haut, et eh oui, c'est savoir où on est déjà allé en haut et savoir comment y aller rapidement. Mais en fait, montez, montez Montadar, là, hein. montez Montadar, qu'est-ce que c'est Mehdi hein Ben ça vous freine encore cette question. Mehdi, en fait, qu'est-ce que c'est Ben c'est tout simplement une œuvre. C'est une œuvre. Puisqu'à un moment donné, il faut statuer. Il faut dire qu'il y a quelque chose. Donc il faut dire qu'on fait quelque chose. Oui, on fait quelque chose. Ben que veux-tu faire Ben tu fais Mehdi, par exemple, l'œuvre. Voilà. Tu fais médi la royauté voilà tu fais médi la position voilà tu fais médi la libération voilà tout ça tu fais la libération le grand montadar le grand parti l'islam médi <laughs> les religieux du prophète montadar et l'islam l'islam guidé en haut l'état qui veut répondre maintenant répondre à cet islam qui veut s'élever par la bonne volonté. Oui, tout à fait, nous sentons que c'est la bonne volonté, nous pressentons un saint, un saint dans cet islam, un saint. L'État mec ne peut plus digérer, à un moment donné que personne n'est suivi. Ce saint il ne peut plus digérer. Il fait quelque chose, voilà. Ben il le fait, tout simplement, pour ne pas vous le dire à chaque fois qu'il l'a fait, ben oui. Si vous n'êtes pas d'accord que l'État le fait, que l'État fait ce saint, c'est en fait que vous êtes du Mahdi aussi. Oui, vous êtes aussi du Mahdi. Vous êtes en fait du Coran du Mahdi. Le Coran bien guidé. On appelle ça le dernier Coran aussi. C'est un royaume. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'être un État dans un royaume. Mais en fait, c'est concomitant, à un moment donné, avec ce que répondent les uns et les autres, de savoir quel était le messager de Dieu au temps de la venue du Christ. Au temps de la venue du Christ, quel était le messager de Dieu Ben, les gens vont dire directement que c'est lui-même, le Christ, qui est le messager, puisqu'il est messager de Dieu. Mais après, pourquoi il y a un médit, tu comprends Et en fait, ils disent aussi que c'est la même chose. À un moment donné, ils disent que c'est la même chose. Et là, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la même chose, qu'il y en a un autre, voilà, qui n'est pas pareil. Et en fait, pourquoi ils disent qu'il n'est pas le même Ils disent qu'il n'est pas la forte, la forte, par exemple, religion. Ils disent qu'il est une autre religion qui existe, et ils disent en fait que c'est le même, mais en fait, ce n'est pas forcément connu de la même parole. Par exemple, où ce n'est pas étudié du même parti. Ce n'est pas étudié du même parti. Et là, peut-être on est un peu savant de comprendre pourquoi ce n'est pas le même parti. Ce n'est pas le même parti parce qu'il y a ceux qui font et il y a ceux en fait qui veulent s'élever. Voilà, qui veulent s'élever et qui veulent croire en quelqu'un qui les élève. Voilà. Un autre qui veulent croire en quelqu'un qui les fait faire. Qu'il les fait faire, voilà, qu'il les fait faire. Et en fait, qu'il leur a fait aussi, qu'il leur a fait quelque chose et donc qu'il leur a même donné quelque chose sans qu'il n'ait eu besoin à un moment donné de faire. Voilà, tu le sais. Et en fait, si quelqu'un fait tout, on sait qu'il y a quelqu'un qui fait tout. Tu vois, tu te donnes cette pensée qui sait un peu tout et tu te dis n'est-ce pas déjà le bien guidé N'est-ce pas déjà ce qui était dit et en fait, savoir par tout ce qui est dit, ça correspond en fait à une œuvre. Parce que tu sais un peu travailler hein, ce qui se dit. Voilà. Donc tu fais un peu fructifier nos œuvres. Tu fais fructifier nos œuvres. Jusqu'à ce qu'on ait la libération de toute l'action. L'action du parti. Maintenant, on parle du parti. On n'est pas toujours hein, forcément que l'islam. Là, on peut parler de politique. Le parti majoritaire est-il le bien guidé Le parti majoritaire est-il le bien guidé ben Je te dis, c'est rien du tout, voilà ce parti, s'il est juste le parti majoritaire. C'est en étant le bon parti qu'on va gagner, le bon parti, le bon parti qui ne se laisse pas surprendre, le bon parti qui a des oreilles pour entendre, et voilà. le bon parti qui sait se mettre en avant, qui sait se mettre en avant et qui sait porter, porter l'esprit. Porter l'esprit jusqu'au bout, voilà. Jusqu'au bout du politique, par exemple, voilà. Ça, important de porter l'esprit jusqu'au bout du politique, de montrer en fait que l'affaire, elle était politique. Quand il y avait l'affaire, tout simplement, c'était politique. Mm -hmm. Vous savez qu'il y en a un qui vient, et il y en a un qui est aussi le monde, qui est aussi le monde. Alors choisissez bien ce que vous dites, choisissez bien ce que vous faites, choisissez le bien, choisissez même plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien fait votre affaire. Les conseils ne sont pas prendre à la légère. L'État qui veut bien guider Moussa, par exemple, mais Dieu m'a dit, hein, tu es Mehdi, Tu es dit, il m'a dit, tu es dit, il m'a dit, Dieu m'a dit, de l'imam Moussa, il m'a dit. Bah ben oui, c'est Mehdi de Moussa. Mm -hmm. Donc Moussa, je l'ai rencontré. Il m'a dit plusieurs fois Mohamed aussi, je me suis souvenu. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. C'est à quelqu'un de tout faire. Voilà. Je te dis, en fait, dans la logique des grands, c'est normal comme raison. Quand tu demandes à quelqu'un de tout faire, il va te dire, oui, oui, c'est déjà, c'est déjà là. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Tu comprends. Il sait qu'il doit faire. Il sait qu'il le fait. Il y a même plus grand quelqu'un qui te dit, tu veux tout faire? Tu viens me voir. Tu viens me voir. Voilà. Tu viens me voir pour tout faire. Tout faire, je fais tout, je fais tout. Je fais des cours, je fais des histires, je fais des streams, je fais des libérations, je fais des causes, je fais des causes. Je fais des rangs, je fais des rangs, j'ai des filles superbes. Je veux te parler de la liposuccion. Ben c'est une technique horrible. Elle est horrible, cette technique de vous enlever de la graisse, de vous enlever du poids là, par euh, un découpage du ventre organisé. Par des médecins, des médecins qui sont en fait euh, bien expliqués, expliqués pour euh, vous appâter par des nouvelles techniques au corps à corps, hein, au corps à corps ça se joue. Même dans le corps, le médecin qui va bien loin dans le corps pour vous faire croire aussi sa philosophie. Mais vas-y, cette philosophie, est-ce qu'elle est la nouvelle pierre Est-ce que c'est une pierre que Dieu a donnée la philosophie Dans mon courage, j'ai dit la philosophie est une pierre. La philosophie est une pierre de Dieu, voilà, jusqu'à temps qu'il découvre celui qui parle aux pierres d'argent celui qui parle à la pierre d'argent. Voilà, la pierre d'argent. Quel est le rôle de la monnaie Vous comprenez le rôle de la monnaie. Vous avez l'imam et vous m'avez donc l'imam. Maintenant, quelle est ma monnaie Voilà, quelle est ma monnaie Ben, il y a des prophéties hein, qui parlent de l'or, tout simplement, comme la monnaie, et qui parlent aussi d'Internet. Voilà, d'Internet. Ça se développe sur Internet et ça se développe aussi sur ceux qui prétendent avoir l'or. Avoir l'or. Mais pourquoi c'est toujours une prétention Il y a des peuples qui ont l'or. Voilà. Plus que d'autres, ben voilà. Et il y a des peuples aussi qui n'en reçoivent pas, par exemple, ben voilà. Il y a des peuples qui n'en peuvent pas en avoir comme avant, voilà. Et il y a ceux qui en ont de plus en plus et qui en ont toujours plus, voilà. Et il y en a qui en cachent beaucoup. Et il y a des lieux où c'est caché, et dès qu'on sait où est l'or, il y a beaucoup de choses qui se passent directement des gens qui bougent, il y a des esprits qui bougent, il y a des montagnes qui se déplacent, voilà. Parce qu'il y a de l'or. Et en fait, j'aimerais vous dire, c'est pas loin cette histoire avec l'or là, où vous venez tous pour chercher l'or. Parce que bientôt vous apprendrez quelle est la monnaie, ma monnaie, la monnaie de l'imam. C'est de l'étalon or. Ma monnaie c'est l'étalon or. Signifie que vous devez me chercher. À un moment donné, vous devez me chercher. Parce que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Dieu m'a dit que j'avais quelque chose. Dieu m'a dit j'ai quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est Messie, hein, Messie que vous vouliez. Messie, Messie, ben c'est bien dit, c'est bien dit. Concernant m'a dit, c'est bien dit. Qu'il est Messie, C'est si, ça veut dire, ça veut dire qu'il est Messie, ça veut dire qu'il est là, l'alliance de Dieu, l'alliance. L'alliance, une fois que c'est fait, ben c'est terminé. Il y a le pouvoir en place. Donc, il y a la connaissance, il y a les prés... présidents qui le disent aussi, il y a le compagnon du messager de Dieu qui le répète tous les jours, que c'est l'imam Mehdi, et que donc je suis l'imam Mehdi. Puis après, il y a la force en nous de reproduire tout le Coran. Voilà, de tout le reproduire en entier. Oui, en entier. L'État, il ne veut pas encore protéger tout ça, parce qu'il veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je parle du Mahat, il y a quelque chose. Je parle de moi, Allah, il a, il l'explication que je veux faire concernant les esprits qui sont du messager de Dieu sont une prophétie. Le lustre hein, qui comprend que c'est une prophétie. Dans le temps, la guidée passe loin, 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 passe très, très loin, très, très loin, très, très loin. Ça s'alimente le religieux ça se fait aussi la maison de Dieu pas loin pas loin de chez vous je suis kaim pas loin de chez vous je n'ai pas manqué mon nom voilà je n'ai pas manqué mon nom vous étiez pas loin de nous pas loin de nous pas loin de nous de nous de nous oui vous étiez pas loin de nous j'aimais bien cet état auparavant j'aimais bien cet état les mix qu'il faisait, les mix, voilà, les responsabilités aussi, les histoires qui étaient promises, hein, c'était des histoires promises, un temps qu'on promette l'histoire. Quand il y a l'histoire, on sait qu'il y a Dieu, voilà. On sait que c'est Dieu qui a la parole aussi et qui met en avant l'État, voilà, parce que il le fonctionne par l'État pour montrer qu'il s'est passé. Notre religion, elle s'est passée. Notre peuple elle s'est passé, notre Dieu voilà, et là en fait, vous devinez que c'est ce temps dont on vous parle, c'est ces mêmes religions, c'est aussi cette même vérité que Dieu a agi, qu'il a voulu mettre en scène son imam et qu'il a voulu mettre en scène sa religion, puis il a voulu promettre qu'il y avait encore son imam, son imam m'a dit maintenant que je suis cet imam, je prends mes dispositions. Pour ne pas vous revoir, autant que je prends mes dispositions pour vous remettre des choses, voilà. Ben, c'est incroyable ce qu'on me fait faire et ce que je fais, c'est incroyable, c'est incroyable. Si vous ne voulez pas que je vous touche, eh ben, ne faites pas la même partie, voilà. Là, là. là. Ah 6. Allah, ah sectionne-moi tout ça. Là, il faut sectionner tout ça. Cette dunia, là, il faut la sectionner. En secteur. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'ils font dedans. On sait où on peut récupérer après. Le boulot, voilà. Eh oui. Il n'y a pas de parquet, hein. c'est à chaque fois. Euh, savoir... Euh, Présider, savoir présider euh, l'islam. Hein? Savoir présider l'islam. Vous n'allez pas m'éviter tout le temps. Hein? Ce n'est pas tout le temps que ça s'est produit, cet islam. Hein? Prophétisez Moussa, si vous voulez, avec beaucoup de cœur. Voilà. Vous sortez là. Hein? Vous sortez là, parce qu'on a parlé de Moussa et du cœur, vous sortez. Voilà. Vous évitez de me responsabiliser. Madi c'est moi. J'ai bien aimé cet état au final, ce n'est pas tant que je veuille vous dire hein, ce que je vais rencontrer, c'est vous dire ce qui n'est pas arrivé. vos petits papiers <laughs> vos cermis, vos cer vos sermons <laughs> vos serviteurs voilà vos serviteurs ne sont pas passés. <laughs> vos serviteurs ne sont pas passés. Tu veux savoir quel était l'objectif mondial <laughs> C'était de participer à l'œuvre. De dire qu'ils avaient participé à l'œuvre. Voilà, c'était l'objectif mondial. Euh, dans l'objectif secondaire, promettre qu'il y avait une religion et aussi promettre que c'était Mustafa qui était le parti. Voilà. Comme tous les gens qu'ils ont fait. Du bien autour d'eux et qu'ils ont participé à la maison prophétisée. Voilà. La maison prophétisée, la maison de Mustapha. Mustapha, Mustapha, Mustapha. Mahati, Mahati, Mahati. Voilà. Mec, la mec te dit de ne pas t'ordonner les choses, de les laisser te croire. Et de les croire à ton tour comme étant ton islam. Voilà, ton islam. Laisse l'islam vérité. Laisse l'islam en vérité. Voilà. l'islam en vérité. Ça, c'est sûr que ça sera reproduit. Et c'est sûr que ça fera tout le temps l'islam. Voilà. Le mérite, on sait ce que le mérite. On sait ce que Moussa voulait dire sur mustapha que c'était mé, messi que c'était messi voilà que c'était messi et aussi que c'était mou'naf c'était les Mounafikoun, c'était les Mounafikoun qui ne se, sou, ne se soumettaient pas à mustapha voilà parce qu'en fait et je suis en fait cette, cette personne qui a lutté contre les Mounafikoun et en fait les monaficoundes ne se soumettent jamais quasiment jamais ils ne se soumettent quasiment jamais et il y a une lutte tout le temps contre eux jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement et jusqu'à ce qu'on puisse dire qu'est-ce qui s'est passé et en fait tu t'aperçois que ça ne finit quasiment jamais mais à part quand on les a vus quelque part et quand on peut mettre un terme par exemple si c'était si eux qui, 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 qui se confrontaient tout le temps à moi par exemple, à l'imam qui se confrontait tout le temps à moi si je sais où ils sont je peux y mettre un terme si je ne sais pas où ils sont eh ben, c'est tout, tout le temps une lutte une lutte jusqu'à ce que tout en fait, euh, la discrimination et aussi l'opposition à l'imam disparaissent voilà c'est ça en fait, pourquoi je vous dis c'est vrai qu'il faut lutter tout le temps contre les monafikoun jusqu'à ce que l'opposition disparaisse vous me direz peut-être, on vient de me dire pourquoi tu ne les laisses pas tranquilles, tout simplement, qu'ils te, qu te laissent aussi. Mais en fait, ce qui arrive n'arrive pas. Voilà. On essaie de les laisser tranquilles et en fait, il y a une oppression constante. Il y a une oppression et elles reviennent tout le temps pour dire quelque chose et pour faire quelque chose. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait J'ai élevé quelque chose. Je me suis élevé et j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément euh, ce qu'il disait et ce qu'il voulait. Voilà. Puis en fait, je les ai eus parce que j'ai gagné tout simplement l'affaire et j'ai gagné aussi d'autres choses dans le Dieu. Voilà, j'ai gagné d'autres choses dans le Dieu. Et ces choses que j'ai gagnées, ben, je les fais actuellement. Et en empruntant cette voie, j'ai mis de côté en fait les opposants, voilà, qui voulaient que je j'aille tout le temps dans des lieux et voulaient que je discute tout le temps avec des certaines personnes. Et je voulais tout le temps que je fasse des actions où il dirait des choses, tout ça. Et en fait, je me suis élevé au-dessus de ces conditions pour faire plus grand, tout simplement, et pour après apporter plus grand, voilà. Parce que quand on a beaucoup de dons et on a aussi beaucoup de, de, de vérité pour le faire, eh ben on emploie ça au meilleur, voilà. Et on le laisse pas, on le laisse pas se, dépresser le bien, se déprécier le bien. Le bien qui est déprécié, en fait, c'est le bien à chaque fois. On peut se faire utiliser et en fait, le bien peut être après parti tout simplement. Il peut partir parce qu'en fait, on n'arrive pas à produire, par exemple. On n'arrive pas à élever tout simplement la qualité que Allah a eue de nous donner du bien. Voilà. Et en fait, le bien, s'il est dans les intentions en plus de la prophétie, il faut continuer les efforts jusqu'à ce qu'on ait raison et jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à apporter plus de vérité. Et en fait, dans cette voie-là, on est sur une voie qui mène une certaine connaissance. La connaissance, en fait, d'avoir raison aussi dans les sociétés, même dans le monde, voilà. Plus grand, même dans le futur. Avoir sa conscience du futur, c'est en fait avoir sa conscience dans le futur, qui est en fait protégée aussi et qui est à la fin présentée comme étant une explication de notre temps, voilà. Et aussi une ressource pour que les autres puissent après s'en servir, s'en servir. Et si on peut vous laisser vous servir d'une grande ressource dès maintenant, concernant les prophéties, on le fera. Voilà, euh, ce n'est pas forcément un modèle capitaliste, c'est tout ce que je veux dire. Parce que le capitalisme il promet toujours les ressources, il promet toujours son moyen d'y accéder, mais c'est un unique moyen après parce que vous êtes obligé de faire ces, ces, cette unique, unique, unique direction. Voilà. En fait, elle présente à chaque fois un accord, vous le savez, pour que vous soyez d'accord, et une collaboration, pour que vous collaboriez avec le capitalisme. Si vous rejetez la collaboration et vous rejetez l'accord, en fait, vous prenez l'autre direction, et l'autre direction, vous trouvez aussi beaucoup de monde dedans et beaucoup de choses à faire. Jusqu'à ce que vous cherchiez, en fait, celui qui va au-dessus du soleil, parce que vous en avez marre. Celui qui va au-dessus du soleil, et celui qui permet à tout de la religion de devenir permissible mais en fait ça ne veut pas dire tout permissible qu'on permet par exemple le mal voilà ça veut dire tout permissible qu'on rend la religion qui est par exemple dans la, le, la, la loi qui permet aux croyants d'obtenir de la religion une croyance et une direction une vraie prophétie une vraie guidée au-delà de la société de mérite, au-delà des partis aussi qui toujours mettent un prix, mettent un prix à la connaissance, qui mettent toujours un prix à la connaissance. Ne mettez pas de prix à la connaissance si vous estimez tout simplement que vous avez trouvé une conscience qui est plus inspirée que celle qui met toujours une marque sur l'identité et qui élève finalement la considération de la personne et rend plus profitable par la suite le fait de la connaître, comme de connaître ce qui existe plus tard. Les bonnes relations peuvent se construire, mais pas le Satan, voilà. Parce que c'est une boucle, cette, cette, ce Satan, c'est une boucle. Vous croyez qu'il a une marque, c'est... En fait, la marque qu'il utilise, le 666 pour vous avoir, à chaque fois que vous l'entendez, vous savez que c'est lui qui essaye de faire cette marque. Et en fait, pourquoi ne pas l'accepter Le 666, parce qu'en fait, elle vous rend stupide. Voilà. Parce qu'elle vous rend quelqu'un utilisé et en fait quelqu'un après qui ne peut plus rien faire. En dehors, en fait, d'écouter tout ce qu'on lui dit. En dehors de faire tout ce qu'on lui dit. Et vous devinez que c'est une forme de servitude. C'est pour que vous soyez comme des esclaves et que vous soyez en fait euh, sous l'autorité ben, d'un mauvais. Voilà, c'est pour que vous soyez sous l'autorité d'un mauvais. Et en fait, même s'il a des réponses, même s'il a des solutions, il vous demande des choses, de faire des choses mauvaises, vous le savez. Alors que Dieu vous demande de faire les bonnes choses et les bonnes actions. Et là, vous élevez en fait la règle, par exemple, que Dieu fait en son prophète qu'il rappelle tout le temps, et il dit tout le temps qu'il faut se lever. Il dit tout le temps qu'il faut se faire croire aussi, pour que les gens soient après dans la certitude que Dieu a amené quelque chose ou quelque bien, pour qu'on puisse en disposer et après qu'on puisse aller vouloir, que Dieu élève aussi nos œuvres et nos actions. Voilà comment ça se passe. Dans le prophète, c'est-à-dire dans l'esprit du prophète, voilà, savoir que nous avons connu et savoir aussi que nous faisons connaître ce que fait l'islam. Voilà, l'islam du prophète, oui, l'islam du prophète, donc une terre très vaste, aussi un continent qui garde la prophétie, à la fin des temps, une raison qui se vaut, hein. qui se vaut, qui se vaut, une religion qui se vaut, voilà. Et là, vous remarquez les hacks qui sortent, les vérités dans l'esprit, il y a un veau, un veau, c'est le capitalisme. Et il y a un vrai prophète, un vrai prophète, c'est... L'islam, c'est l'islam. Prophétise que j'ai pas le temps hein. J'ai pas le temps de ça sa... de savoir comment le faire toujours, voilà euh, cette histoire là, voilà euh, là tu crois que c'est ignorant mais tu te trompes, c'est que j'ai des pieds sur terre. C'est ça, mais dis, c'est un homme, un homme euh, un homme euh, de la terre oui, de la terre. Mais en fait est-ce que je suis un terrien? Tu comprends est ce que je suis un terrien? Est-ce que je me mets quelque part, par exemple, pour cultiver un champ, voilà, et ensuite dire que j'ai dirigé quelque chose dans ma, dans, dans ma terre, tu comprends, dans ma terre, voilà, et pour mon peuple, voilà, pour mon peuple. Après, est-ce que je me dis que j'ai prophétisé Messie? J'ai prouvé. J'ai promis que j'étais Messie quelque part. J'ai promis que j'étais le Messie quelque part. Voilà. Et là, je te parle du Messie d'Allah. Voilà. Ben, j'en sais rien. Moi, si c'est possible, cette relation avec le Messie, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est que être Médi, c'est avoir aussi Messie avec soi. Voilà. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agissait, d'avoir le Messie avec soi. Là, je rappelle Jouge et Majuge. Eh ben, c'est de ça qu'il s'agissait en fait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on imaginait. Le Messie et le Médi. C'était Juge et Majuge. Vous comprenez, voilà. Parce que je veux ce qui t'appartient. Tu ne touches pas à ce qui m'appartient. Puis à la fin, j'en ai marre. Je fais quelque chose contre toi. Puis de rétorquer, non, c'est moi qui veux faire quelque chose. Plus encore contre toi. Voilà, tu comprends. Et ça prouve juste deux peuples qui ne s'aiment pas, mais qui sont les mêmes, tu comprends, voilà. Et en fait, dans la fin des temps, vous découvrez ces deux peuples, effectivement, qui sont râlés. Qui sont râlés aussi. Ils font plein de jours pour euh, plaire, mais en fait, ils n'arrêtent pas de s'en plaindre, voilà, ils n'arrêtent pas de s'en plaindre. Jouge, j'imagine, -jou 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 mes amis. Les deux ennemis, voilà, les deux ennemis. Qui s'en plaignent, qui s'en plaignent. Et là, je cite le Messie et ça, qu'il les connaît, hein, et qu'il leur fait des pieds, il leur fait des pieds même, il les laisse jouer, voilà. Avec euh, leur compagnie, il les laisse jouer. Dans la maison de Dieu, il dit que c'est protéger les uns et les autres. Vas-y, c'est euh, je vais te dire, c'est le bien guidé, l'État m'empêche pas de faire ma parole. J'en ai possédé même une présence qui était de ma parole, voilà, une parole que je disais, qui est devenue présence, qui est devenue présence à la fin, qui finit par mériter un don, voilà, un don, un don pour vous élever, et pour ne plus avoir à vous raisonner. Ne vous endormez pas, mon esprit est une lumière, je ne la laisse que croire. Que croire, voilà, pour qu'enfin elle devienne et qu'il advienne ce qu'il advienne viendra Dieu qui adviendra Messie de prophétie <laughs> Messie de prophétie et même de messager eh, voilà. mais dites de la connaissance, mais dites du bien aimé, oui c'est ça prophète je n'ai pas ton temps soit tu dévoiles que c'est Messie soit je dévoile que c'est imam que c'est imam c'est Tadar, le prophète qui n'entendait rien, qui ne voulait rien connaître. Aïwa, c'est Messie, la prophétie qui se disait tout le temps, sans quelqu'un pour assurer le parti de Dieu, sans quelqu'un pour mettre d'accord les imams sur la volonté de Dieu. Mais oui, c'est de ça que je parlais. Je parlais de ces histoires. Ces histoires qui faisaient religion, religion, religion. Voilà, mec, la mec veut te taire. Je pense qu'elle veut te taire. La mec veut te taire. Oh mec, le calife, je vais t'envoyer, c'est le calife, je vais t'envoyer une maison. Je vais t'envoyer une maison qui va te répéter des choses. Qui va te répéter des choses, qui va t'envoyer des messagers, des messagers pour, par pour parler, pour parler à ton à ton à ton Mehdi, là, pour parler à ton esprit que tu dis être messager. J'ai des moi, si j'ai des j'ai dit qui <laughs> l'a eu encore une fois, l'a eu encore une fois, l'a eu qu'il l'aura, qu'il l'aura, qu'il sera l'avoir, voilà. <laughs> Un truc qu'on m'a dit l'esprit me revient l'esprit me revient la qualité hein, me rejoint la qualité me rejoint dans tous les mondes j'ai la qualité et j'ai le devenir je pense pas la liberté hein. elle me vient elle me vient elle me revient voilà la maison de dieu ça me revient ça me revient l'outil qui nous faisait combattre L'épreuve aussi que nous n'avons pas toujours été le Sud. Oui, je sais. La possession, en fait, elle vous prive au départ de savoir qui était possesseur. C'est pour nous que vous ne pouviez pas découvrir qui vous avait acheté. Et en fait, vous ne vous êtes jamais fait acheter. Et donc, comment quelqu'un a pu vous acheter quand vous alliez, en fait? Faire valoir votre prophétie et que, en fait, il n'y avait pas Dieu pour dire que ce que vous disiez était, par exemple, la prophétie. Eh bien, il n'y avait pas non plus quelqu'un pour dire que c'était votre Dieu, voilà donc en fait vous vous engagez à avoir quelque chose pour Dieu et Dieu prenait note en fait de ce que vous vous engagez. Il prenait des notes. Il disait bon ça il dit que c'est à moi parce qu'il dit Dieu. Ça il dit que c'est à moi donc c'est ma prophétie. Ça il dit que c'est à moi donc c'est à moi encore. Ça m'appartient et il ne faisait que ça parce qu'en fait il n'avait rien d'autre à faire à part prendre des notes puisque vous ne faisiez que parler sans Dieu. Et même quand vous parliez de Dieu il savait que vous preniez en fait sur vous le compte. Même de lui, ben voilà. Donc lui prenait son compte auprès de vous en vous le redemandant à un moment donné, en vous disant mais tu m'as pris, tu m'as pris quoi Tu m'as pris quoi <laughs> Voilà. Et vous pensiez tout le temps que c'était quelqu'un, mais c'est quelqu'un en effet après qui est chargé par Dieu de vous redemander les comptes. Oui, 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 oui. La mémoire est importante pour que vous vous souveniez de cette qualité qu'il avait de mettre en garde tout le monde contre sa prophétie. Voilà, contre sa prophétie. Et en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui n'arrête pas de demander quelque chose, qui le demande tous les jours, qui le demande jusqu'à ce qu'il le récupère. Et en fait, c'est juste de ce dont vous parliez qu'il veut récupérer plus ce qu'il a parlé lui aussi. C'est pour voir si vous avez l'instinct, vous avez l'instinct, le même instinct. Que de dire à un moment donné, mais ne suis-je pas moi aussi possesseur et donc n'ai-je pas possession de toutes ces choses Donc, je fais quelque chose. Moi aussi, je demande et moi aussi, je prends. Voilà. J'ai perdu. Si vous avez deviné que j'étais le messager, je suis perdu. Si vous n'êtes pas loin de chez moi, c'est mystique. C'est mystique. Voilà, mystique. Mystique. Allez, voilà. Mystique. Allez, voilà. Va. Vas-y. De ça, il s'agissait. Les apparitions que j'ai, hein. D'apparitions qui me viennent Allez, voilà. à chaque fois des libertés, parfois même des directions et aussi des l'islam qui apparaît, voilà comme étant une vérité. L'islam qui apparaît comme étant une vérité, l'imam m'a dit qui est protégé par les temps, qui est protégé par l'islam, l'islam jusqu'au bout. De la maison, voilà, va voir cette maison, hein. allez à la maison, j'ai toujours dit d'aller à la maison, aller aussi au prophète, au prophète qui est réveillé, là, voilà, qui est réveillé, qui est messager, voilà, qui est messager, qui est profitable, il est profitable, Jésus qui est, pro... ouais, c'était moi, Jésus qui est profitable, qui est messie, qui est messie et qui est messager, qui est messager. J'ai enseigné. Ça ne m'a pas plu quand vous avez dit que vous avez tout dit. J'ai dit beaucoup trop. J'ai fait beaucoup trop. Je vais beaucoup trop au loin. Voilà. Pour croire. Là, il est là, là. Vous avez cru en Jésus. Vous avez cru en lui. Vous avez cru en ce qui est arrivé. C'était ce qui t'était dit. C'était ce qui était promis. Est-ce que vous avez aimé Jésus-Christ Voilà la question de Jésus. Nous avons aimé l'islam. Mais dit, voilà, c'est ça. La prophétie, elle s'arrête là. Jusqu'à ce que vous soyez messager, messager, messager du prophète. Messager du prophète, voilà. Le messager du prophète, c'est la succession et c'est la bonne nouvelle. L'État qui veut rendre cette direction. Et qui veut aussi dire qu'elle s'est accomplie. Vous n'avez rien, je pense, pour l'instant. Euh, si Jésus essaye de gagner du temps, vous n'avez rien. Mais si il essaye de gagner du temps, vous n'avez rien sans le messager. Messager qui fait gagner du temps à Jésus sur le bien guidé. C'est de la petitesse. <laughs> C'est de la reproduction. <laughs> C'est du parti de l'histoire. Arrête C'est de l'eau. C'est de l'eau que vous venez boire. Voilà. Vous venez me voir et vous me demandez l'eau. Vous me demandez l'eau. Vous me demandez l'eau. J'ai Messie avec moi pour avoir de l'islam, la compétence, je m'en fous complètement si vous voulez la différence entre moi et le gros. Voilà. Mehdi, voilà. J'ai présenté mes excuses à l'avance. Pour prophétiser qu'il est Messie et que c'est un imam. Voilà, c'est un imam. Mais je n'ai pas tout dit sur Mountadar. Je n'ai pas tout dit. Mahak, le level. Le niveau. Voilà, le niveau. La cadence, même la cadence où vous étudiez. Votre pouvoir, voilà. Jusqu'à temps que viennent les oracles. Les oracles de la guidée, oui. Les grands imams qui s'y mettent au travail. Vas-y, c'est bon.